Wesh les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, je suis en compagnie de PJP. Comment ça va mon ref? Mon gars, on est là aujourd'hui, vidéo comme vous l'avez vu, on va construire des skins. Aujourd'hui, duel de construction sur Stumble Guys, frérot. Enfin non, pas sur Stumble Guys, mais on va devoir créer des skins Stumble Guys, toi contre moi, et le gagnant a quelque chose qu'on va devoir offrir à la communauté. Restez jusqu'à la fin les gars pour savoir ce que c'est. Est-ce que t'es prêt à faire la première construction PJ? Là, il y a quelque chose à gagner en plus. Bien sûr, je suis prêt, je suis déter. Alors moi, je vais aller de l'autre côté juste ici. On a du coup chacun son coin et en gros, frérot, on va devoir construire 4 skins. OK. C'est largement faisable. Largement faisable. On aura maximum 10 minutes pour chacun des skins. Et on va commencer tranquillement avec le skin banane. Est-ce que t'es prêt, PJ? Je suis prêt. Je prépare le chrono. Attention, les gars, je lance le chrono. 3, 2, 1. C'est parti, PJ. Tu as tout simplement 10 minutes pour build ta petite banane. Ok, bonne chance, mon ref. Hein. Bonne chance, frérot. Premier skin à faire, les gars, c'est la banane. Faut vraiment que je me dépêche. Regardez à quoi il ressemble le skin banane, les gars. Et on va devoir tout simplement le refaire. En vrai, déjà, pour un premier skin, il a pas choisi le plus facile. Hein. Alors, je prends tout simplement. Et non, les gars, je ne vais pas faire comme ça. Parce que je vais tricher. Vous l'avez vu juste derrière, les gars. Il y a tout simplement le petit skin banane que j'ai préparé en avance. Pour pouvoir tricher. Parce que, oui, les gars, Power Jumper, faut savoir qu'il a beaucoup plus fait du créatif que moi. Et du coup, bah, j'allais tout simplement perdre. Bon, on va se dépêcher, on va mettre ça de couleur jaune pour commencer. Forcément les gars, c'est une banane. Une banane c'est jaune, tu connais. Du coup les gars, regardez le petit skin banane que j'ai préparé. J'ai un peu envie de narguer Power Jumper les gars. C'est que j'ai même le skin Stumble Guys de base. Regardez comment ils sont super super stylés. Ok, là j'ai fait le bas du corps, on va faire le haut du corps. Ok, let's go, là j'ai un bon début de banane en vrai. Maintenant on va faire les lunettes de la banane les gars. Je vais directement gagner du temps avec ses yeux. On va utiliser ça et vous allez voir que ça va être super facile. Je vais me poser là, let's go. Les gars, la petite banane est arrivée. On a maintenant les lunettes, la bouche, il faut faire maintenant le haut de la banane, les pieds et les bras. Ça va être le plus compliqué. En vrai, ouais, je trouve qu'elle est pas mal. Et ce que je vais faire, les gars, je vais rajouter le petit bonhomme Stumble Guys de base aussi. Je vais utiliser ça pour les pieds, les gars, ça va être parfait. Ok, let's go, les gars, j'ai terminé de faire les jambes de la banane. Pour le moment, je suis assez fier de moi. Il manque plus qu'à faire les bras, c'est clairement pas le plus compliqué. Et voilà, les gars, let's go. Moi, mes deux skins, ils sont finis. Ouais, j'en ai même fait un bonus, les gars. Ok, maintenant, je vais mettre ça ici et on a terminé les mains. Là, les gars, on a les mains parfaites de la banane. J'ai juré, là, un vrai flow, mon skin, en vrai. En vrai, maintenant, il y a le haut de la banane que je dois faire et le bas, mais ça va être le plus compliqué. Je sais pas comment je peux bien faire ça en vrai, c'est ça le problème. Du coup, ce que je vais faire les gars, c'est que je pense du coup qu'on va décorer le sol et faire comme s'il y avait une ligne d'arrivée, tu vois. Ok, on va mettre ça comme ça. Le bas de la banane, il est noir, du coup, je vais mettre ça comme ça. Ok, on a un bon début de banane en vrai. Je vais faire la même chose pour la tête. Voilà les gars, on a la petite ligne d'arrivée. Il reste les gars 2 minutes. Oh PJ, comment ça va? Ça va et toi mon ref, t'as fini? Je suis en train de bulle frérot, il te reste que 2 minutes. C'est largement suffisant pour terminer. En 1 minute mon gars, j'ai fini moi. Ah ouais? Moi je te cache pas que c'est un peu chaud pour moi en 1 minute. En vrai, il a aucune chance de gagner. Let's go, j'ai terminé de faire la banane de Stumble Guys. Honnêtement, je suis assez satisfait du résultat. Il reste vraiment moins d'une minute en plus. On va juste montrer que c'est la ligne d'arrivée. Voilà les gars, c'est parfait. Les gars, on a 10 minutes et 17 secondes, c'est la fin. PJ, je vais te demander de tout lâcher, c'est fini. Mon gars, moi j'ai terminé, je t'attends. Tu m'attends, ok. Attends, j'arrive, je vais voir ce que t'as fait. Regarde-moi la banane. Franchement, elle a eu le Covid ta banane, mais elle est très 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 stylée. Comment ça, frérot, elle a le Covid? T'es méchant de fou. Elle est magnifique. Mais pourquoi elle a des cheveux en popcorn? Parce que c'est une banane frite un peu, t'as vu, c'est... Eh, pose pas de questions frère, c'est super dur de faire le haut d'une banane. Je veux voir comment t'as fait toi, t'as fait comment? Dis-toi que j'ai fait la banane plus 2 autres trucs frère. Bah attends, viens on va voir ça. Quoi? Attends, c'est quoi ce délire? Je t'explique, t'as vu en fait j'ai fini ma banane au bout de 5 minutes. Et moi je m'ennuyais un peu et je me suis dit que j'allais faire le bonhomme du logo de Stumble Guys, t'as vu qui est juste là. Et j'ai fait la petite ligne d'arrivée comme s'ils étaient dans une course. Ah c'est ça, ok c'est pas mal ça par contre. Mais par contre ta banane, attends, t'as critiqué ma banane mais regarde la tienne. La mienne elle est beaucoup plus stylée. Non je te jure que ma banane je trouve personnellement qu'elle est plus stylée que la tienne. Désolé, je suis honnête là. Ta banane popcorn, là, regarde. Bah écoute, c'est les abonnés qui vont choisir dans l'espace commentaire. Pour celle-là, on va dire que c'est les abonnés qui choisissent. Et on va passer à la deuxième partie. On va construire pour cette deuxième partie un des skins les plus rares du jeu. Oh, tu me hype là. On va faire le skin dragon, frérot. Ok. Oh, le skin dragon en plus, il est trop dur à obtenir. Mais c'est pas l'un des skins les plus rares, c'est le plus rare en plus. C'est le plus rare du jeu. Est-ce que t'es prêt, PJ? Moi, je suis prêt, on commence tout de suite. PJ, je lance le chrono 3. 2, 1, c'est parti. On a 10 minutes pour faire le skin dragon de Stumble Guys. Comment je suis censé refaire ça les gars? Il est trop compliqué en 10 minutes. Ok les gars, c'est parti, cette fois-ci j'ai que un skin à ramener et c'est le skin dragon. Si je viens ici, il y a tout simplement le skin dragon. Ce que je vais faire, c'est que je vais le sélectionner, on va le mettre là-bas. Mais cette fois-ci les gars, on va essayer de faire un décor de feu de fou à côté, avec du feu partout et tout derrière le dragon. Comme ça, ça sera vraiment vraiment impressionnant. On a le début du personnage les gars, les dents, le nez, la mâchoire. Ok, let's go.
Je suis content de fou là, il a un petit flow le début du dragon. C'est parti, je ramène le dragon. Attention, on va le poser les gars. 3, 2, 1. C'est parti, j'ai mis un dragon les gars. Ok, on a les yeux du dragon, je suis pas très fan pour moi. Mais regardez-moi la tête du dragon, sérieusement. Là, on fait un vrai bail pour le dragon là. Là, on a pas rigolé avec lui. Ça fait un peu sa grotte, mais c'est pas encore assez bien. Ok, donc je vais le placer sur le terrain ce truc là. Et normalement, je vais pouvoir faire du feu. Et maintenant, du coup, let's go. Il a du feu sur sa tête les gars, ça fait vraiment le dragon. D'ailleurs les gars, je sais que beaucoup d'entre vous ne sont pas abonnés à cette nouvelle chaîne. Oui les gars, c'est ma chaîne secondaire du coup. N'oubliez pas de vous abonner les gars. Moi ça m'aide beaucoup. Dites-vous, la tête c'était le plus dur à faire. Pour le corps ça va être beaucoup plus simple. Voilà les gars, on met du feu un peu partout. Ce qui manque là c'est vraiment la lave. Et on est parfait les gars. Mais là il a un peu trop mangé là. Là il a même beaucoup mangé mon dragon. Ok là c'est pas mal. Maintenant je dois lui faire les bras, les jambes, les ailes. Mais j'ai l'impression que j'aurai jamais le temps de terminer. Je suis en train de faire le meilleur dragon stumble guys les refs. Lord Jumper il va être choqué. Ok les gars, je fais des petits bras en vrai, je trouve ça trop drôle. Comme ça j'ai pas besoin de faire les détails des griffes. Parce que croyez-moi les griffes c'est super compliqué à faire. Et non les gars, il reste que 10 secondes. Lord Jumper, est-ce que t'es prêt? Il reste que 10 secondes. Attends quoi, il reste 10 secondes là? Il reste seulement 10 secondes frérot. J'espère que t'as fait un beau truc. Oui oui, j'ai fait un beau truc, t'inquiète pas, j'ai bientôt fini en plus, ça tombe bien. Moi j'ai fait un truc qui est pas très stylé. Ah il est pas très stylé? Non, j'ai eu beaucoup de mal. Bah le dragon il est un peu dur, je pense que t'as pu le voir. T'as vraiment choisi le pire truc à faire, c'est trop compliqué. C'est vrai que c'est super dur à faire. Bon, moi je viens de finir. Lord Jumper, ça fait exactement 10 minutes. Je ne touche plus à rien. Okay. Je ne touche plus à rien aussi. J'arrive voir un peu ce que t'as. Oh, mais il est cute! Il est tout mignon! Je voulais faire un bébé dragon en fait. Il y avait un bébé dragon qui ne ressemble pas du tout au dragon. T'es un menteur. Carrément, il y a du feu sur lui, Théma. C'est pas ça du feu. Bah, si, c'est du feu ça, frérot. J'aurais trop choupi. T'as vu que c'est un bébé, il a pas encore ses ailes, elles ont pas poussé derrière vu que c'est un bébé. Ah, ok, c'est le skin bébé. Mais non, c'est juste que. Ouais, voilà, c'est le skin bébé, exactement. Il a une grosse tête pour un bébé quand même, le skin. Il a mangé beaucoup de bananes avant. Regarde, il en reste une. D'accord, ok, ça doit être ça. Si je dois donner une note à ton petit skin, je donnerais la note de 5 sur 10. C'est tout? Mais t'es culotté, toi. Viens, viens, montre-moi ce que t'as fait, montre-moi ce que t'as fait. Moi, je l'ai fait deux fois, parce que je me suis dit que ce serait bien, un dragon, t'as vu, ça vole. Quoi? Tu te fous... Non, mais tu te fous de ma gueule. Je t'ai même fait la petite déco juste derrière. Et quoi, c'est dingue, t'as fait une déco? Ah, mec, ça me fait du mal, ça me fait du mal à l'avouer, mais là, j'avoue, t'as gagné le... En fait, c'est le décor, il est trop beau, frère. Ok, frérot, on va passer à la troisième manche. Pour l'instant, la première manche, c'est les abonnés qui décident qui a gagné. La deuxième manche, 1-0 pour moi. Je m'attribue la note, frérot, je suis désolé, mais quand je vois les deux... J'ai trop le seum. Oublie pas qu'il y a un truc à gagner pour ta commu. Et du coup, on va passer à la troisième manche, qui est l'avant-dernière manche. Et c'est tout simplement le skin squelette rouge qu'on va devoir refaire. Non, mais mec, déjà qu'il était compliqué, dragon, tu veux faire un truc plus compliqué là? Mais je t'ai dit, on fait de plus en plus dur. Bon, vas-y, je relève le défi, tu vas voir. Mais oublie pas, tu le fais pour ta commu, frérot. Eh, hey, mon gars, j'ai fait un skin, ça va être un titan colossal. Tu vas voir, il va être immense comme toi. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Top départ, on a 10 minutes. Ok, let's go les gars, faut que je me focus. Là, je vais pas me faire avoir. Et on va aller chercher le petit skin squelette des familles. Bon les gars, on a les 3 skins vainqueurs qui sont juste ici. Il a gagné, il a gagné, il a gagné les gars, le skin dragon. Et là, on a simplement le petit skin squelette qui est extrêmement bien fait les gars. Ok, là je construis les gars, je sais pas ce que je fais, je m'embarque dans un truc de ouf. Il y a un petit délire de tête de squelette en vrai là. Let's go les gars. Il est magnifique, franchement il est magnifique. Et j'ai même déjà les gars une petite idée pour le petit décor qu'on va faire les refs. On va faire une petite ambiance cimetière, tout ça, qui je pense va très très bien rendre les gars. Ok, on a fait les yeux jaunes du squelette les gars, la tête elle est pour le moment nickel. Maintenant il faut faire le corps, ça m'a l'air super dur à faire. On va faire une tombe de fou malade, là c'est l'objectif, on va faire peur à PJP les gars. Ok les gars, c'est parfait, on a la tête du squelette, le corps. Par contre je suis en train de me rendre compte les gars, je ne vais pas pouvoir faire les jambes. Je vais pouvoir faire les bras, mais les jambes c'est mort. Déjà là, ça fait un peu peur les gars, ça fait un peu peur. Et en plus de mettre la tombe comme ça les gars, on va redresser cette tombe. Regardez les gars, voilà les gars, on voulait un truc comme ça, un peu plus rentré dans le sol peut-être, qui montre vraiment que le squelette il sort de la tombe. Et en plus de ça les gars, on va rajouter les petits murs qui vont faire peur à PJ. Ok, là je mets les doigts les gars. Pour le moment on a le bras plus le début des doigts, c'est compliqué de ouf. Let's go les gars, on a du coup maintenant les bras, les mains, on a le corps et la tête. Bon la tête, ne jugez pas la tête, j'ai voulu faire un truc original. Et par contre les jambes, j'espère il va pas calculer hein. Il a vraiment pas de jambes. Et vous savez quoi, on va faire un truc drôle les gars, je vais lui mettre un bâton comme ça qui va à gauche et qui va à droite. On va faire les jambes comme quand on est en primaire les gars, les jambes pour les bébés. Regardez là, les jambes comme ça, là les jambes en bâton. En vrai les gars, moi de mon côté j'ai fini. J'ai pu faire mon petit squelette avec sa petite tombe derrière et l'église juste derrière qui ramène une petite ambiance hantée d'Halloween, tout ça. Et on va aller voir les gars un peu du côté de PJ comment ça se passe. En vrai les gars, il fait un squelette de malade, il y a juste un problème de proportion. J'ai carrément, vous savez quoi, hop, regardez. Je vais sélectionner ça, je vais les mettre en dessous, genre comme s'il avait des petits pieds. Il a pas du tout des pieds comme ça le skin les gars, mais c'est juste pour la vidéo, faire un petit truc drôle. Parfait les gars, là il a des pieds, je lui ai créé des faux pieds les gars. Ok, let's go, ça tue. Ok les gars, ça fait maintenant 10 minutes et on va voir comment ça se passe. Allô PJ? Ouais mon gars. Le temps est
T'as coulé. Ça tombe bien car j'ai terminé. On commence toujours par toi, frérot. Est-ce que cette fois-ci tu veux commencer par moi? Je suis chaud de fou là. Tu me hype, j'arrive. Alors tu me connais, j'ai toujours fait mes petits décors derrière et ça ne va pas. Oh, ok. Attends, il y a un bon délire là. Donc le petit squelette de Stumble Guy que tu reconnais bien avec la couleur qui correspond. Mon squelette, par contre, il est. Bah, il est malade là, je pense qu'il. Mais frérot, c'est un squelette. Non, mais oui, mais là, frérot, là, c'est grave. Regarde, mais il y a sa maison juste là. Il est juste sorti pour l'occasion. Elle est là, sa maison. Carrément, t'as fait un décor. Non, mais en fait, toi, j'ai l'impression que tu passes plus de temps à faire un décor pour ta vidéo qu'à faire ton skin. Genre, il faut passer plus de temps sur le skin des HM. Oui, mais c'est un tout. Regarde, ce qui a aidé le dragon, c'est les flammes. Là, ce qui aide le squelette, c'est sa tombe, tu vois. Pour le dragon, c'était logique. Le dragon, je vais pas te mentir que le décor était magnifique, tu vois. Bon, la banane, j'ai pas trop aimé. Ça, bon, ça va, tu vois, c'est dans le thème. Mais moi, je te dis, t'en fais trop. Il me restait 3 minutes, je m'ennuyais. Donc voilà, je me suis dit que j'allais faire un petit décor. Tu veux rajouter de la valeur ajoutée, mais c'est pas ce qui va te faire gagner. C'est pas ça. Ok, mais t'as fait un squelette ou t'as fait un skin Stumble Guy squelette? J'ai fait un skin Stumble Guy squelette. Ok, let's go voir. Waouh, frérot! Squelette! Skin squelette XXL! Mais oui, mais c'est parce que t'as vu, tu fais toi aussi des gros skins, j'avais envie de faire pareil. Oh, mais là, on dirait même pas le skin. À part le corps, j'avoue, le corps, il est bien fait. Mec, déjà, je suis désolé, t'as pas fait d'effort. Comment ça, j'ai pas fait d'effort? T'as mis une tête carrée, je suis désolé, regarde-moi, j'ai fait un effort de faire une tête ronde. Un crâne, frérot! Bon, on va pas s'embrouiller là quand même, là, c'est moi qui ai gagné. Mais frérot, jamais t'as gagné. Écoute, moi, je te propose un truc, c'est qu'on va se départager avec la manche qui arrive, la quatrième manche. Donc, celui qui gagne ça, il gagne tout. Vas-y, c'est encore plus simple, t'as raison. Alors frérot, pour sa dernière manche, le skin dragon n'est pas le seul skin très rare. Il y a un skin frérot ninja, donc tu le sais très bien. Il y a plusieurs skins ninja. Pour cette manche frérot, pour cette grande finale, on va faire le skin ninja de glace. Est-ce que t'es prêt PJ? Mon gars, je suis déjà en train de taper sur Google à quoi ressemble le skin. Hein. Ok les gars, je lance les 10 minutes dans 3, 2, 1... C'est parti les gars, celui qui gagne offre à sa communauté le cadeau. Ok les gars, c'est parti, je vais tout simplement aller chercher le petit skin ninja. Et là je vais tout donner dans le décor les gars, on va vraiment faire un truc de fou. Regardez les gars, mon skin il est déjà là. Bon j'avoue il est un peu gros, il est un peu obèse les gars. Mais regardez moi, on a même les katanas derrière et tout. Non franchement il est super stylé, je vais le sélectionner les gars. Je vais l'emmener devant et on va travailler sur un décor de fou. Tout en déstabilisant PJ cette fois-ci les gars. Je vais lui parler pendant les constructions, comme ça il aura pas le temps les gars de faire un truc de fou. Comme ça je vous offre le cadeau. J'ai pas envie de me casser la tête, on va prendre un truc plutôt simple. La couleur de la tête, on va la mettre indigo, ça veut dire c'est du bleu foncé. Ok, donc avec ça, normalement avec ce carré, je vais pouvoir faire le skin. Je peux faire des yeux et tout les gars, waouh, ça a l'air d'être le skin le plus compliqué à faire. Je vais déjà lui faire son bandana en vrai. Sur son bandeau les gars, je viens de voir, il y a un texte en chinois, du coup on va l'ajouter assez rapidement. Ok, on met ça ici les gars, là je mets l'écriture. Parfait, déjà on a le bandana et la tête du skin. Maintenant il va falloir que je me concentre, il faut lui faire un masque, ça va pas être facile du tout. Ok les gars, c'est parti, je ramène le petit skin ninja. J'ai un peu agrandi la plateforme comme ça, on va pouvoir faire un décor de fou. Regardez les gars, on va le mettre là. Bon maintenant les gars, on a le skin ninja, il faut faire un décor de fou. Pour le masque, je sais pas ce que j'ai bien pouvoir utiliser, je pense que je vais encore utiliser ça. En vrai ça peut être pas mal pour faire un masque. On va mettre ça maintenant de couleur bleue les gars, là c'est parfait. Et là je dois lui faire son petit masque du coup. Ok les gars, on a un vrai début au niveau de la tête, hein. Je suis vraiment content. Maintenant il faut faire les yeux, et pareil il a encore des yeux bleus. Ça va être super dur j'ai l'impression là, c'est pas du tout facile à faire. On va prendre ça, lui il a des yeux un peu vert néon, non pas du tout. Turquoise je crois, ouais il a les yeux turquoise, parfait. Et ça tient le katana, ok, on va dire qu'il y a qu'un truc qui tient. Bon allez les gars c'est parti, on va se focus. Et là du coup on va faire un petit décor de glace. Il en a beaucoup de trucs les gars, donc ça c'est super cool. Ok les gars, on va mettre la petite galerie de glace. On va mettre un truc de fond, d'abord on fait un truc de fond les gars. Ok les refs, je viens de faire les yeux, donc pour le moment on a toute la tête du skin. Maintenant je dois faire son corps, et là ça va être le plus compliqué. Ok les gars, là maintenant il faut continuer la décoration. Qui dit glace les gars, dit bien évidemment de la neige. Donc les gars, je mets simplement la petite galerie et on va décorer au maximum comme on peut les gars. Ok let's go, pour le moment j'ai le corps, ça c'est plutôt pas mal. Ok faut que je me dépêche les gars, il reste pas beaucoup de temps, faut que je fasse les jambes. Maintenant j'ai juste à sélectionner la jambe, je la mets de ce côté là et j'inverse ça. Ok les gars, on a les jambes du personnage, c'est nickel, il lui faut les bras maintenant. On va se faire une première galerie là, hop une deuxième. Ok c'est parfait les gars, faut juste une petite troisième pour que ce soit vraiment parfait. Ok les gars, là c'est vraiment parfait, on a notre ninja des neiges. Maintenant les gars, ce qu'on va faire c'est qu'on va rendre ça un peu plus stylé les gars. Hop là, on fait ça comme ça, là j'ai juste à mettre ça en bleu ciel. Je suis un génie les gars, je suis un génie du mal. On met ça de l'autre côté maintenant les gars, comme ça on tourne ça doucement, hop là. Ok les gars, je pense qu'il est bon de ouf là. Là j'ai un super ninja, je sais pas si Dachem va faire mieux. C'est vrai qu'il a fait un super beau dragon, donc j'ai vraiment peur de son ninja. Voilà les gars, le ninja il a des petites flammes bleues. Les gars vous savez, ça
reste l'hiver et vu que c'est l'hiver, on va ajouter plein de flocons de neige au-dessus des flammes, les gars. Là, les gars, on est vraiment dans le thème. Let's go, les gars. Il y a les épées aussi à faire, les gars. J'ai pas fait les épées dans son dos. Il a des épées bleues. Elles sont chiantes de fou. Ça a l'air super chiant à faire en plus, ces épées. Mais il me reste encore le temps, les gars. Je vais me dépêcher. Il reste une minute, frérot. Ok, je me dépêche, je me dépêche. Et là, je vais te déconcentrer. Comme ça, tu vas venir me dire par là. Bah, si j'ai envie de te déconcentrer, je te déconcentre. C'est la surprise. T'as pas le droit de venir voir. Mais j'ai pas dit que j'allais venir. J'ai dit je te déconcentre à l'oral, comme ça. Ah, bah moi, frérot, je suis en train de faire un petit détail pour terminer. Franchement, lui, il était vraiment compliqué. Je te jure, mec, je crois que c'était le plus dur. Hein. C'est bon, j'ai fini le détail. Let's go. C'est bon, t'es prêt? Je suis prêt, mon gars. J'ai fait le meilleur ninja. Tu vas voir. VJ, pose ton téléphone. C'est fini. Je touche plus à rien. J'ai tout posé. J'ai tout posé. Attends, j'arrive de ton côté. Viens là, mon gars. Regarde-moi ça. Je te présente le ninja Shaolin, légendaire, mythique, appelle-le comme tu veux, avec les doubles katanas. Oh, j'avoue, franchement, j'ai pas pensé, mais en fait, t'as mis l'écriture chinoise sur le bandeau. Casse, c'est des petits détails comme ça, ça donne de la valeur ajoutée. J'avoue, là, vrai truc. On dirait un peu un canard, vu de nom. Mais non, regarde, c'est la cagoule, j'ai fait la cagoule. Ah, c'est la cagoule. Ok, je croyais que c'était un canard, excuse-moi. En vrai, l'idée de mettre le texte chinois, super idée, j'y ai vraiment, vraiment pas pensé. J'attends de voir ta construit, on va aller voir ça. Oh, ok, on reconnaît. Connais ton style. Avec le petit décor évidemment derrière. Toujours un décor frère, ça y est, un ninja de glace. Là c'est le ninja de glace, on l'a mis dans les Alpes. Par contre j'avoue que t'as mis des effets de feu. Ok donc moi j'ai fait l'écriture chinoise qui était super stylée. Toi t'as fait les effets de feu, qu'on a chacun notre petite touche, j'aime beaucoup. Tes yeux sont jolis et t'as fait les expressions avec le sourcil, ça j'aime bien. Mais il y a des mets là frérot, là qu'est-ce que tu me fais là au niveau des bras? C'est quoi ces bras, c'est quoi? J'explique, il est allé à la salle et du coup bah il est trop musclé, il a les mains dans les poches vu qu'il fait froid, t'as vu c'est les Alpes. Mais frérot mais il y a un gros problème aussi, c'est quoi ces katanas? T'as mis des barres, il a juste des barres dans le dos, il a un X. En fait toi, les katanas, en fait moi les katanas ils sont rangés, tu vois. Et même un katana, excuse-moi, mais y a pas le gros cercle que t'as mis hein. En fait c'est ça ton problème DHM, tu veux faire un décor alors que le skin il est pas fini. Mais il est très bien le skin. Mais il a les mains dans les poches. Mais oui mais non, le but c'est pas d'avoir les mains dans les poches. Là je sais pas qui a gagné hein, honnêtement. Ton skin il est très joli hein. Il est très joli ton skin. Attends, refais voir ton skin. Ok, PJ j'ai une idée. Là, avec le dragon, je gagne 1-0. Bon en vrai, si ça tenait qu'à moi, le ninja, je gagne 2-0. Les abonnés vont décider en commentaire, ok? Et lors de la prochaine vidéo qu'on fait ensemble, je sélectionnerai une personne parmi les commentaires de cette vidéo et celui qui a perdu offre une carte de 1000 V-Bucks aux commentaires sélectionnés, c'est bon? Ok, le défi me va, c'est aux abonnés de choisir qui va gagner. Du coup les gars, choisissez selon vous pendant toute la vidéo qui a gagné et surtout pendant la dernière confrontation. N'oubliez pas de liker et de vous abonner les gars, surtout abonnez-vous avec la cloche sur cette nouvelle chaîne, très important les gars, c'est maintenant ma chaîne gaming. Allez voir la chaîne de PJ, elle sera en description et sur ce les gars, bye.